Sorry, Jack. Chucky's back. You can kiss my ass. After these messages, we'll be right back. Chers clients, bienvenue à ce premier épisode de la deuxième saison du Super Club Vidéo Gore. Je suis votre commis Steph. Et je suis votre commis Steve, mais je suis surtout extrêmement heureux de te retrouver, Stéphane. That's it! Hein? Dans notre Super Club Vidéo Gore. Premier épisode de la saison 2, qu'est-ce qui nous attend? Qu'est-ce qui attend nos clients, en fait? Ben aujourd'hui, en fait, c'est vraiment cool parce qu'on a une entrevue avec Benjamin Coombs, le réalisateur de Commando Ninja 1 et 2. Qu'on a réussi en plus à avoir à Montréal pour aller prendre un verre, une bière. J'ai mélangé, on a pris une bière puis un verre de vin. Un peu de tout, on a goûté à tout quand même. Il y a Christophe qui nous revient encore avec son acolyte toutes les semaines. Cette semaine, ça va être Steve de Revue. Ils vont venir nous parler de l'année 2013 pour l'année de l'horreur. J'aime beaucoup les années 10, 2010, 11, 12, 13. Il y a eu plusieurs très bons films. Les années 90 aussi, il y a eu des très bons films. Il y en a eu, mais il y en a eu peu. On déroute de l'horreur cette semaine aussi avec notre ami Guillaume pour la chronique Espace-temps. Oui, qui va venir nous parler de Akira. Ah, c'est un film qui a marqué mon adolescence, ça, qui m'a surpris aussi. Je n'ai jamais vu, mais ce que j'ai vu, par exemple, c'est dans mes films en série, le premier, Children of the Corn, parce que je m'attaque aux Children of the Corn. On est 10 à regarder, 10! T'es complètement cinglé, puis c'est pas le gérant qui t'a imposé ça, mais ce que tu m'as imposé cette semaine, c'est de regarder Thanksgiving de Eli Roth. Et tout ça grâce à notre commanditaire préféré, notre seul commanditaire, disons-le, mais le meilleur, personne bat Anorak Brewpub à Morin Heights. T'as-tu faim, Steve? J'ai extrêmement faim. Aimez-vous le barbecue américain, la bière brassée sur place? Il y a 16 choix de bière chez Anorak, Steve. J'ai vraiment envie qu'on dise... Vous autres, les jeunes, puis votre génération de paresseux, là, vous allez être la raison numéro un qu'on ferme les portes. Moi, dans mon temps, là, on était fiers de travailler pour une compagnie comme ici. Mais vous autres, vous n'avez aucune reconnaissance pour ça. La preuve, vous êtes assis sur les boîtes d'arrivage. Est-ce que j'ai besoin de vous dire quoi faire ou vous avez compris? Ça commence raide. Bon. Monsieur revient de vacances, il chiale déjà après nous autres. Mais lui, il n'a pas pris de vacances. Il a travaillé tout le long des nuits, ça a l'air. Les arrivages. Fais attention à ton triceps, c'est fait mal au triceps. Ouais, on va mettre ça à côté de notre répondeur. Oui, ça semble pas brillant. Stéphane, qu'est-ce qu'on a dans notre boîte d'arrivage cette semaine? Un peu ici, on dirait que... C'est-tu une collection de Dolph Lundgren? Yes! Ça te fait plaisir. Dolph Lundgren, quel acteur épique, quel acteur incroyable. Émérite. Ça veut dire, c'est mérite, ça veut dire quoi? Je ne sais pas, mais c'est un mot qui sonne quand même intelligent, donc j'aime ça dire des choses. Ah, OK, oui, pourquoi pas. Mais là, c'est une collection de pas de ses meilleurs films. Hein. Direct Contact, Icarus, The Package, Blood of Redemption, Skin Trade, puis Shark Lake. Je connais juste Skin Trade là-dedans. Ah non, c'est un film de cul, ça. Justement, on a un spécial, on ne l'a jamais dit encore, hein? Mais c'est 1,99 canadien pour un film. J'aurais-tu parlé de ça? Ah, je sais pas, non, on va aller dans la voie d'ardage. Ah, oh, quelque chose pour toi, mon Stéphane? Le gérant a acheté Pet Sematary Bloodline juste pour toi parce qu'on avait Hellraiser Bloodline, on n'avait pas d'autres Bloodline, mais Pet Sematary, ça fait partie de la collection en fait, fait qu'on pouvait pas passer à côté, t'sais, les films en série, il faut les écouter du premier au dernier. J'espère que tu as fini de parler de ce film-là. Oui, effectivement. C'est un des pires films que j'ai vu en 2023, ça. Vraiment. Je pense que c'est pour ça que le gérant l'a acheté. Steve. Quoi? Tu penses? Oh my God! Est-ce que c'est vrai? I can't believe Hulk Hogan! Hey, mais un magazine! On a droit à Hulk Hogan ici, là.
Hey, ça, c'est vintage, là. Avril 1988. Eh donc, mais propre, la revue. Hein? Et t'es carrément, hein? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah, yeah. Ah, une photo de Vince McMahon. Ouf. Bon, on va aller brûler. L'homme dont est le nom. Écoute, Hulk Hogan a une figurine avec la... avec la Winged Eagle Belt. Donc, pour les nerds de lutte, vous savez de quoi je parle, c'est la belt classique, oui, la plus belle. Steve Austin l'a porté, Brett aussi, cette ceinture-là. On va le mettre juste devant les films de film. Hogan, qui fait un... Ouais, qui fait une de ses poses. Il y a aussi celle-là, je vais arrêter ça, je pense que je vais déchirer mon chandail, c'est ça. Et enfin... C'est pas mal ça, dans... Ah, ben oui. Mais écoute, c'est une belle semaine d'arrivage quand même, là. C'est vraiment une belle semaine d'arrivage parce que j'avais hâte, là. Faut meubler nos tablettes. Vous voyez, ici, vous voyez plein d'arrivages qu'on a eu dans la saison 1. C'est vraiment cool. Effectivement. Gremlin qu'on a eu dans le coin de Noël, en fait. Mm-hmm. Et là, après la pause, oui. Daniel va venir nous rejoindre pour nous dire qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui dans le monde de l'horreur. Puis ça, c'est toujours le fun parce qu'après, on a une discussion assez intéressante. Au Super Club Vidéo Gore, vous mettez 25 cents dans ma chine, vous pognez une gomme avec une étoile. Qu'est-ce que ça vous donne? Ça vous donne gratuitement le meilleur film du club. Abonnez-vous à notre chaîne. Steve, je me demande souvent si... Parce qu'il y a des mois qui sont mauvais, sont reconnus comme étant des mauvais mois de sortie de films d'horreur. Janvier, ouais. C'est le dump month qu'on appelle... Février, ça doit pas être le yard ben plus, à part My Bloody Valentine. Ben, il y a la Saint-Valentin, fait qu'il y a, thématique. Une fête thématique. Mais mois de mars? Qu'est-ce qui se passe au mois de mars? Je pense que Daniel va pouvoir nous dire ça. Salut Tripes d'horreur et bienvenue à Aujourd'hui dans le monde de l'horreur. Aujourd'hui, en ce 1er mars, ben, il y a un total de 50 films qui sont sortis, dont voici les highlights parmi ceux-ci. Je vous avertis, aujourd'hui, c'est que des films que j'ai pas vus. Donc, ça va être assez bref. Premièrement, en 1978, on a Laser Blast, qui est un film produit par Charles Band où un gars trouve un fusil laser et fait exploser plein de choses. Je l'ai pas encore vu, mais c'est un film qui a toujours piqué ma curiosité. Ça a l'air cheap, mais tu sais, des fois, un fusil puis des explosions, c'est juste ça qu'on a de besoin. Ensuite, en 1988, on a Hollywood Chainsaw Hooker, qui est réalisé par Fred Olen-Ray et qui met en vedette Linnea Quigley. C'est un autre qui a l'air cheap pis le fun, pis je pense qu'il n'existe pas de meilleur titre que le titre de ce film-là. Ensuite, en 1991, on a Extro 2 de Second Encounter. J'ai adoré le premier Extro, c'était une méchante dose de weird, de digger pis de creepy. Mais j'ai entendu dire que les deux autres, parce que oui, il y en a trois, sont complètement différents pis ils ont aucun lien entre eux. Pis sont écrits et réalisés par le même gars. Je suis quand même curieux de toutes les voir. Ensuite et finalement, en 1994, on a Voices from Beyond, qui est l'avant-dernier film du Godfather of Gore, Lucio Fulci, qui nous a offert plusieurs classiques, dont The Beyond. Comme je l'ai dit au début, aujourd'hui, c'est tous des films que j'ai pas vus, donc je peux pas en dire énormément sur Voices from Beyond, mais je voulais au moins le mentionner parce que c'est Lucio Fulci. C'est donc tout pour aujourd'hui, merci les tripeux, à la prochaine et back to you, Steve et Stéphane! Daniel a raison, Steve, quand même, hein, quand il dit « On n'a pas besoin de rien de plus qu'un gros laser, des fois. » C'est un film qui pique la curiosité. Mais Dan, il a parlé de... Ben, il a pas parlé, mais il a dit qu'il y a eu 50 sorties. Hey, c'est long, là, 50 films! Compter jusqu'à 50, ça prend du temps. Imagine regarder ces films-là, Steve. 50 films le 1er mars, là. Pas dans le mois, là, le 1er mars. Moi qui se questionnais si ça allait être un autre dump month, on dirait que oui, par contre. Un film de Charles Band, de 74. Mais là, Charles Band, Stéphane, c'est agréable. Ah, oh, j'ai rien dit. C'est ça, bon. C'est pas Dump Month? Ben, c'est justement, c'est pas Dump Month, mais Extro 2, c'est-tu de la dompe, ça, tu penses? J'ai jamais vu les extros. Le 1 est très bon. C'est quoi qui se passe dans le 1? C'est une drôle de bébite, en fait. Faudrait que tu regardes... Y'a-tu des enfants qui sont... Y'a-tu des enfants là-dedans? Des enfants là-dedans, certains. T'es sûr que t'as jamais vu Extro? On en a déjà parlé ensemble. Mais j'ai vu Hollywood Chainsaw Hookers, okay. Par exemple. Le titre, man. Stéphane, ça, tout homme aimant l'horreur doit regarder ça. Le gore, bien entendu, la nudité, le mauvais goût. Ben oui, juste la pochette, c'est de mauvais goût en salle. Ah, écoute, c'est extraordinaire comme film. Si tu dignes, par exemple, des films de David Decoteau, à ton avis?
Ah non, c'est une coche en haut. Oh, avec Linnea Quigley en plus. Oui. Qui a réalisé dans Hollywood Chainsawkers? Écoute, j'espère que cette personne-là n'est pas trop connue parce qu'il se ferait canceller aujourd'hui. Par exemple, demander, c'est-tu Dakota? Je pense pas. Il l'aurait dit, Dan, je pense. Par contre, Lucio Fulci, qui a fait son avant-dernier film qui s'appelle Voices from Beyond. Je ne sais pas si, le nom est similaire en Italie, mais c'est un gros rip sur le nom de The Beyond, mon film préféré de Lucio Fulci. Ouais. Pas vu non plus. Mais après la pause, ouais, on va aller voir quelque chose d'intéressant. 2013, l'année de l'horreur avec Christophe et son acolyte Steve de Revue. Chers clients du Super Club Vidéo Gore, vous pouvez maintenant vous procurer le tout nouveau Blu-ray de la première saison de l'émission Sur la route de l'horreur. Rejoignez-les pour des voyages mémorables sur les lieux de tournage de films emblématiques, en plus de visiter des conventions d'horreur extraordinaires, tout en vous offrant des entrevues exclusives avec les légendes de l'industrie. La première saison de Sur la route de l'horreur, c'est 12 épisodes taillés sur mesure par des fans d'horreur pour les fans d'horreur. Rendez-vous au surlaroutedelhorreur.com pour plus d'informations. OK, je suis vraiment mauvais, Stéphane. Hollywood Chainsawkers, ça a été réalisé par Fred Olenry. Fred Olenry, c'est un réalisateur vraiment indie. Puis Gunnar Hansen joue là-dedans. En tout cas. Ah, bon, intéressant. J'ai aucune idée, c'est qui Fred Olenry, dis-je mal. Mais j'ai hâte de voir, par exemple, ce que nos amis Steve et Christophe nous parlent de l'année 2013. On s'en va les voir à l'instant. Super Club Vidéo Gore, Christophe Gagné, Christophe G ici. J'espère que vous allez bien tout le monde. En 2013, moi je suis arrivé à Butchertown en 2013. Hein. Je suis devenu résident de la Rive Sud. En 2013, évidemment, je continue à écouter des films d'horreur, hein, comme vous tous et toutes. Frankenstein Army est sorti en 2013. Comme Steve, j'achète des films et je les visionne pas. J'ai jamais vu ce film. Il va falloir que je finisse par le voir un jour. Comme Green Inferno, ça fait 3 fois que j'essaie d'écouter que je m'endors dessus. Ça marche pas avec moi. Je sais pas pourquoi. Horns, Alexandre Aja. Je l'ai visionné quand ça a sorti, mais je m'en rappelle plus. Avec Daniel Radcliffe. Il y a des corps, mais encore, mais je me rappelle l'avoir apprécié. Maman, hein, de Andy Muschietti, hein, Monsieur It, produit par Guillermo del Toro. C'était bien ça. C'était vraiment... c'était scary quand même. Del Toro avait aussi sorti Pacific Rim à l'époque, hein, bien meilleur que n'importe quel Transformers de Michael Bay. Un des films de science-fiction horrifique sorti cette année-là. Under the Skin de Jonathan Glazer avec Scarlett Johansson. Oh oui! Tellement freaky! Vraiment très jolie aussi, la dame. Mais vraiment, ça, c'est si vous ne l'avez jamais vu, Under the Skin, trop. Enter the Void de Gaspar Noé, Paz de la Huerta, qui joue dans Nurse 3D, jouez là-dedans. Nurse 3D, c'est pas très recommandable, mais la madame, elle est jolie aussi. Puis il y a bien du gore dans ce film-là. Le remake de Carrie avec Chloé Grace Moretz, c'est pas très bon. Tant qu'à ça, tapez-vous le téléfilm avec Angela Bettis sorti plusieurs années avant, ou évidemment l'original de Brian De Palma. Parlons de remake, Evil Dead, hein? Le remake de Fede Alvarez, Steve, très fan, sorti en 2013. 2013, il y a aussi eu Curse of Chucky, hein, réalisé par scénariste de toute la franchise, Don Mancini. C'était bien ça. C'était vraiment, vraiment meilleur que le film qu'il avait réalisé juste avant, Seed of Chucky. Je l'avais rencontré à Fantasia. J'ai fait signer quand même si c'était pourri. Mais son Curse qu'il présentait à Fantasia était de loin supérieur. Machete Kills, pas hier. Même si Lady Gaga est dedans, j'espère qu'elle va être meilleure dans Joker. Texas Chainsaw, qui était sorti en 3D à l'époque avec Alexander Daddario, le pire film de la franchise, malheureusement. Ma franchise préférée, horrifique, mais vraiment, c'est pas de ce film-là que je voulais vous parler. C'était de Hatchet 3, réalisé par mon chummy BJ McDonald, un métalleux notoire que j'ai reçu sur Metal Maniac, mon podcast, il y a quelques temps. Hatchet 3, pourquoi le 3? Ben, parce que c'est sorti cette année-là. Le 3, bon, évidemment, c'est pas le meilleur de la franchise. Le 2, il me semble que c'était pas tant... Le premier est meilleur.
mais le 3 était vraiment le fun. Là-dedans, t'as Daniel Harris qui était dans le 2 aussi. Évidemment, Kane Hodder qui incarne le boogeyman, hein, notre Hatchet Face. Victor Crawley. Mais aussi là-dedans, t'as plein d'acteurs. Derek Mears aussi qui joue pas de masque, qu'on avait vu dans Hills of Eyes, qui avait joué, qui avait incarné. Derek Mears, il avait joué dans des Halloween de Rob Zombie, mais c'est très le fun. Caroline Williams aussi, la Scream Queen de Texas Chainsaw Massacre 2. Hatchet 3, c'est très 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 gore, c'est très con. c'est pas très bon, mais c'est full divertissant. Moi, j'ai vraiment eu du fun. Il y a même Sean Wallen ici, qui est là-dedans, qui est Roach dans le sous-sol de la peur de Wes Craven. Allez vous taper Hatchet 3, tout le monde. À bientôt. Salut toi, savais-tu que 2013 était une année exceptionnelle pour le cinéma d'horreur? Et pas que, à l'époque, je vivais ma meilleure vie. Si t'es pas assez homme pour assumer d'être un Swiftie, va te raser le chest pis raconte ça à un autre. Sinon, aujourd'hui, on m'a donné une mission. Vous parler d'un film de 2013. Un film d'horreur. J'ai donc choisi une comédie d'horreur peu connue parce que, apparemment, l'objectif de Steve et Stéphane n'est de pas être connu. Hell Baby. Hell Baby, c'est quoi? Eh bien, c'est un film qui est sorti tout droit de l'esprit des gars qui faisaient Reno 911 ou Reno 911. Oui. La comédie de police. Et avant de continuer, j'ai besoin de vous dire que si vous aimiez pas l'humour dans Reno 911, savez-vous quoi? Vous allez pas aimer Hell Baby. Non, parce qu'il y a ce petit côté improvisation qui peut énerver certaines personnes. Genre ceux qui disent que l'improvisation, c'est pour les hippies qui puent. J'aimerais ça vous dire que vous avez tort, mais 99% du temps, vous avez raison. Et même dans Hell Baby, des fois l'impro, ça marche, des fois, ça marche pas. Je dirais par contre que d'improviser sur le thème d'une maman possédée qui est sur le point d'accoucher, c'était pas une mauvaise idée. We could paint this place today, sell it tomorrow, and still make money. Yes, we could. Ensuite, pour ceux qui aimaient bien Reno 911, comme moi, vous allez passer un super bon moment, parce que vous avez ce qu'on appelle un sens de l'humour. Parce que moi, je comprends que c'est pas pour tout le monde les blagues de curés qui parlent du fait qu'ils veulent aller voir des filles à la Nouvelle-Orléans se montrer boules. French Quarter, hein? Is this a place where the girls... Ça, c'est un genre développé. Faut que tu sois capable de lire le deuxième degré, de comprendre la puissance de la blague. No boobs out for a little victory lap. You had me at Perky No Boobs. Et d'ailleurs, si pour vous, de l'humour comme une vieille tout pourrie qui a presque l'air d'un zombie qui se glisse dans ton lit pour faire une pipe, c'est pas quelque chose qui te fait rire, bah, encore une fois, je te le dis tout de suite, tu vas pas aimer Hell Baby. A happy ending. It was a good day. Par contre, si comme moi, t'aimes bien regarder des nibards au vent, des mecs qui font de l'impro sur des blagues sur la drogue, sur les meurtres, sur la violence, un film qui n'a pas de tabou, qui parfois peut même repousser les limites du bon goût, eh ben tu sais quoi, tu risques de passer un moment quand même pas mal. Punch him back to hell! You! Parce que soyons honnêtes, Hell Baby n'est pas ce que j'appellerais un classique du cinéma. Par contre, ça veut pas dire que c'est pas un bon divertissement. Et ça a pas la prétention non plus d'être autre chose que ce que c'est. 1h20 de gens qui travaillaient sur Reno 911 qui décident de venir travailler sur un projet d'horreur et de s'amuser avec des trucs qu'ils ont fait triper quand eux, ils étaient gamins. C'est quand même louable, hein? Parce que là, si on commence à tuer des rêves, moi, je vous le dis tout de suite, j'arrête. Bitches be tripping. Am I right? Sinon, il y a énormément d'effets pratiques dans le film, et ça vaut son pesant d'or. L'idée d'avoir une femme enceinte possédée, c'était pas une mauvaise idée non plus. Les acteurs en général, soit ça marche, soit ça marche pas. Bah, c'est un peu le défaut de l'impro. Tu sais qu'ils semblent avoir un semblant de scénario à quelque part, mais c'est pas forcément la prise qu'ils ont gardée, celle qui était scriptée. Quoique souvent, eh ben, ils ont gardé la prise qui était improvisée. Et je dirais que ça marche plutôt bien. Sauf quand ça marche pas. Donc, gêne-toi pas et vas-y, si tu tombes dessus, va regarder Hell Baby. T'as le droit de regarder une comédie d'horreur. On n'est pas des animaux, on peut se gâter aussi. Et moi, je vous dis de vivre votre meilleure vie et à la prochaine fois. Hell Baby. Donc, tabarnak, y'a-tu quelqu'un qui va aller dire que c'est du soft porn, ça, calice?
Donc, faut dire à Selena Gomez que c'est du soft porn. Oui. Faut aller voir Hell Baby. Puis, pour ceux qui ne l'ont pas vu encore, Evil Dead 2013 de Fede Alvarez, un film que tu adores, que tu affectionnes particulièrement. Moi, écoute, je l'aime le film comme tel. Je pense pas qu'il était nécessaire. Il aurait pu faire autre chose avec ça. On a posé la question à Bruce Campbell. Pourquoi avez-vous fait Evil Dead 2013? Et il a répondu 97 millions. C'est un fait. Et voilà. Et ça a l'air comme reparti la franchise un peu. Là, on a un nouveau Evil Dead qui s'en vient. Fait que ça va être le fun. Mais quand même des bons films en 2013. Oui, c'est ce que je pensais aussi. Christophe dit qu'il n'a pas aimé The Green Inferno de Eli Roth. Comment t'as aimé ça, toi? C'était correct. J'avais tellement entendu de mauvaises choses à propos du film que quand je l'ai regardé, j'ai fait « c'était pas si pire que ça ». C'est souvent ça qui arrive, hein? Puis si on continue, je sais pas si t'es comme moi, cher commis Steve, mais je regarde pas les trailers des films, moi. Puis je regarde les commentaires, par contre, des fois, un petit peu, quelqu'un qui va se plaindre d'une nouvelle sortie en horreur ou qui va dire que c'est extraordinaire, puis je m'en tiens à ça. Comme ça, mes attentes ne sont pas soit pas atteintes ou largement en dessous. J'en ai pas d'attente. Puis quand j'ai vu The Green Inferno, j'avais eu la même affaire que toi. Les gens disaient « Ah, c'est poche, c'est pas bon. Ça essaye d'être Cannibal Holocaust, mais c'est pas capable. » Puis j'ai eu un bon moment avec ça. En plus, est-ce que tu savais que c'est filmé sur une vraie île avec des vrais indigènes? Non. C'est pas des acteurs. C'est des gens qui n'avaient jamais vu des plateaux, des caméras, toute la technologie moderne. Ah, ouais? Exactement, oui. Oh, OK, ça, c'est fucké. Ben, ça ajoute beaucoup au mythicisme du film, quand même. Christophe nous a montré une pochette de film qui s'appelle Nurse 3D. Today, you join the elite fraternity of healers known as the Nurses Corps. As-tu déjà vu Nurse 3D? C'est drôle que tu me poses cette question-là. Non. You look like my next-door neighbor, Sarah. They put her in Sunnyview Institute when she was just a kid. Ah, ben! Oui, je l'ai vu. Je l'ai vu plein trop de fois. Trop tard, trop tard. Je l'ai regardé hier. Nerd. OK, arrête d'écrire, Steve. Après la pause, notre client cette semaine, le réalisateur de Commando Ninja 1 et 2, Benjamin Coombs. Le Requiem et son marché de l'horreur seront de retour pour leur 7e édition les 21 et 22 septembre prochains. Pour plus d'informations, suivez la page Facebook du Requiem, le marché de l'horreur. Le Requiem, la plus grande convention d'horreur au Québec. OK, Commando Ninja, ceux qui n'ont jamais vu Commando Ninja, c'est du bonbon! Vous avez les films d'action des années 90, là, vous allez juste capoter. Ouais, 80 même, je te dirais. C'est très grivois comme film, ils prennent beaucoup de risques. 50% Commando. Puis les blagues mal placées, puis sexistes. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour toi, tu envoies la bonne. Ils ont buté ton ex. Fini les pensions! Moi, j'étais en amour dès le premier instant. Vinegar Syndrome a sorti une release incroyable. Ou sinon, vous pouvez aller le voir sur YouTube. Il est gratuit. Et là, on s'est installé dans notre backstore pour parler avec Benjamin parce qu'il est en train de finir la suite. Bordel, mais où est-ce qu'on est tombé ici? Je ne sais pas, Major. Panama, Costa Rica, Valverde. Tout le monde disparu, G.I. Il y a de ça, des lus. Tais-toi! On ne peut pas faire confiance aux Américains. Qu'est-ce que ces Américains font ici? Je veux qu'il soit mort avant l'aube! La folle, commandant! Benjamin, on est hyper content de t'avoir comme client cette semaine au Super Club Vidéo Gore. On s'est connus au travers des réseaux sociaux à cause de Commando Ninja. Et là, tu commences à travailler, ou tu as presque terminé, ou tu as terminé, tu vas nous le dire, sur le deuxième. Est-ce que tu peux nous expliquer Commando Ninja, là, ça vient de où, toute cette histoire de fou, là? Alors, Commando Ninja, ça vient d'où? Depuis que je suis petit, j'ai grandi dans une famille de cinéphiles. Et mon père, il collectionnait les centaines de VHS de films d'action de tous les Bruce Lee, les Schwarzenegger, les Stallone, les Chuck Norris, tous les films d'horreur. Donc, j'ai grandi avec cette bibliothèque énorme. Et évidemment, j'ai commencé de les regarder beaucoup trop tôt
un âge beaucoup trop jeune. Et ça m'a marqué, donc j'ai vraiment, c'est les super-héros de mon enfance, c'est les bodybuilders américains, quoi, c'est pas les mecs en collant. Et donc voilà, après j'ai fait une formation de monteur-réalisateur pour bosser dans le jeu vidéo, et sur mon temps libre, j'ai commencé à monter ce projet tout simplement. Je voulais faire un hommage à ces films de mon enfance des années 80-90, quoi. Ben, t'as vraiment réussi, Benjamin, parce que la scène où est-ce qu'on voit le kid en train de jouer au Nintendo avec sa mère qui passe près, avec l'écran à tube cathodique très bombé comme on avait tous dans les années 80-90, ça donnait le ton. Moi, je le savais. À partir de cette scène-là, je savais que ça allait être un good time, ce film-là. Puis on reconnaît toutes les références de notre enfance. Steve et moi aussi, on a été bercés par les films comme Commando, justement, avec Arnold. Ouais. Puis Predator, puis Terminator, puis évidemment, il y a beaucoup d'hommages à tout ça, puis je te lève mon chapeau, puis tout le monde de notre clientèle qui ont vu ton film, Commando Ninja, sont fans. C'est complètement... Ouais, puis avec plaisir, merci à toi d'avoir produit quelque chose comme ça. Ben, je l'ai vraiment fait pour les fans, du coup, comme vous et comme tous vos amis, parce que c'est un film à but non lucratif, il est distribué gratuitement sur YouTube depuis 2018. Et c'était vraiment un cadeau qu'on voulait offrir à tous les gens de la même génération que nous. Et, ben et là, c'est réussi, là, certainement. Et là, avec le succès du premier, tu dis qu'il est gratuit sur YouTube, mais il y a même des gens qui sont tellement fans qui achètent la version de Vinegar Syndrome pour la voir comme physiquement chez eux. Là, le deuxième, je crois que tu es en... fin de post-production, je suis pas trop sûr. On est rendu avec le deuxième film. Alors le tournage, il est terminé. Ça a pris quand même 3 ans parce que vu qu'on n'est pas, on n'a pas des millions de dollars, on peut tourner que pendant nos vacances. Donc on a tourné ça pendant 3 étés et je crois que c'est un total de 95 jours de tournage dans la forêt, dans les rivières, dans la boue, dans les souterrains. Et là, le tournage est fini, le film est monté complètement, donc c'est une aventure de 2h30, action, comédie, horreur, ça s'arrête jamais. Et là, je suis en post-production, donc la version française est finie, la version anglaise est finie, et il manque quelques effets spéciaux, je dirais 40% d'effets spéciaux à post-produire. Wow. Ouais. Puis ton runtime final, est-ce que tu vises que ça soit 2h30? Mais pour l'instant, j'ai vraiment raccourci déjà au maximum. Et ensuite, je pense que je vais faire des screen tests là pour voir. Mais on l'a déjà regardé 3 fois, on n'a pas vu le temps passer. Donc, incroyable. On pense que c'est bon signe parce qu'on connaît déjà tout par cœur, hein, vu qu'on l'a tourné. Et quand on l'a regardé, on s'est vraiment amusé, on n'a pas vu le temps passer. Donc je sais pas. Puis c'est vrai que mes références, c'est des... En fait, je voulais faire un grand film d'aventure, c'est un grand voyage. Les personnages, ils voyagent dans plusieurs pays. Et mes références, c'est des films assez récents finalement sur la structure comme le Kong Skull Island ou j'adorais aussi le Suicide Squad 2. Après, ma plus grosse référence, c'est Apocalypse Now et c'est des films assez longs, mais je trouve qu'on ne les voit pas passer parce que il y a un bon pacing et on découvre toute l'aventure, quoi, voilà, comme ça. Et là, tu disais que le premier, il est disponible gratuitement sur YouTube. Ouais. Celui-là, c'est quoi le but avec celui-là? Est-ce que c'est aussi d'aller all the way sur YouTube comme ça? Ou est-ce qu'on y va avec festival? Comme moi je pense à Festival Fantasia cet été à Montréal, mais bon, je dis ça juste comme ça. Ce serait un rêve. Je pense pas qu'on sera prêt, malheureusement, mais on sait jamais. De toute façon, je pense qu'ils sont déjà en train de valider les films et tout, là. Ouais, je connais déjà Fantasy. OK. Et donc, celui-là, non, il sera pas, on va pas le diffuser gratuitement. Parce qu'en fait, d'ailleurs, avec le 1, je viens de signer avec un distributeur de Los Angeles qui va le vendre sur Prime Video au Canada et États-Unis à partir du mois de mars. Donc, on est super content et je pense que ça va suivre avec le 2 après. Donc, Il va aussi être sur les plateformes du genre Tubi, les trucs comme ça que je connais pas trop. Et je voulais proposer aussi à Shudder, c'est la plateforme d'horreur là. Mais je pense pas que ça ait sa place là-dessus, mais j'essaierai. Et ensuite, Vinegar Syndrome va faire aussi un nouveau Blu-ray. Et donc voilà, il sera accessible d'abord en Blu-ray et après en digital et Blu-ray.
Et je vais essayer de faire un maximum de festivals, ouais, mais il n'y a pas beaucoup de festivals qui font des longs métrages, en fait, mais on va voir. Mais là, Steve, il dit qu'il connaît quelqu'un à Fantasia, donc je pense qu'il va parler. Hein, n'est-ce pas, Steve, l'entremetteur, comme ton surnom, que tu portes si bien? C'est vraiment génial, Benjamin, que tu parles de rythme, parce que moi, c'est une des choses qui sortent le plus avec les films de l'ère moderne, les films d'action de l'ère moderne, et les films d'action qu'on a nommés, même la science-fiction là, des années fin 80, début 90, je pense à Paul Verhoeven, entre autres, RoboCop, Total Recall, c'est des films, comme tu as dit, on ne voit rien passer parce que le rythme est soutenu, puis il se passe toujours quelque chose. Donc, j'imagine que dans ton 2h30 de Commando Ninja 2, Invasion américaine, en plus, j'adore le titre, c'est juste vraiment génial. J'imagine qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer là, avec de l'exposition sur des personnages secondaires un peu trop deep. Puis... Ouais. Enfin, en tout cas, j'espère, mais j'ai beaucoup travaillé sur ça entre le 1 et le 2. J'ai beaucoup appris sur comment écrire un film, une structure. J'ai appris beaucoup sur au niveau du tournage, parce que c'est encore un film que j'ai tourné tout seul avec juste un ou deux amis maximum. Donc j'ai beaucoup appris sur l'éclairage. Enfin, vous verrez, je pense que c'est, beaucoup de monde m'ont dit qu'il y a une meilleure qualité dans l'image, en tout cas. Et ouais, voilà. C'est vrai que le rythme, t'as raison, c'est très important, parce qu'il y a beaucoup de films un peu de série B qu'on regarde en scannant jusqu'aux scènes d'action. Et... C'est vrai. Ouais. Et là, on parle du 2 depuis tout à l'heure. Ouais. Quel est le synopsis du deuxième film pour les gens qui nous regardent? Alors, le deuxième film, donc le synopsis... Il commence à y avoir il y a des attentats aux États-Unis il y a des gens qui se font assassiner, il y a des explosions, il se passe des choses, et on retrouve le personnage de Hopkins, un peu le fou de l'équipe là. Il est devenu policier en Californie et il fait une enquête, mais personne ne veut le croire. Donc voilà, il va devoir retrouver ses deux meilleurs amis pour s'occuper de la situation. Parce que le gouvernement américain ne veut pas les aider. C'est comme les cauchemars qu'on faisait enfant. Je ne sais pas si vous avez déjà eu cette expérience-là, les gars, mais je faisais des cauchemars qu'il y avait une invasion zombie quelconque ou c'était l'apocalypse. Là, j'entrais au dépanneur puis je disais « Madame, aidez-moi! » Les gens te regardent puis ils font « Come on! » Pas rien, là. Mais tu sais, juste derrière, c'est l'apocalypse total. Tes inspirations pour Commando Ninja 2, c'était quoi? Est-ce que tu as des films en particulier qui étaient des piliers d'inspiration pour toi? Ouais, il y a des piliers. Bon, évidemment, il y a toujours tous les classiques, hein, comme dans le premier. Mais bon, déjà, par rapport au titre, t'as dû comprendre, il y a le Chuck Norris Invasion USA. Ben oui. C'est juste une inspiration sur un peu le scénario. Ensuite, il y a beaucoup de films, mais il y a aussi Rambo 2, La Mission. Donc mon préféré de la franchise. Ouais, moi aussi, je pense. Il y a un peu la structure est un peu basée là-dessus. Je vous ai aussi parlé d'Apocalypse Now, qui est pas un film d'action, mais c'est mon film préféré. J'adore vraiment comment on peut suivre les personnages voyager pendant tout le film. Et il leur arrive des aventures et tout. Et ensuite, il y a Jurassic Park qui va être aussi Indiana Jones mélangé. En fait, en gros, c'est le film que j'aurais adoré voir quand j'avais 10 ans, mais qu'un studio ne pourra jamais te laisser faire parce que c'est trop risqué. Donc, en fait, c'est un film d'aventure, c'est une comédie, il y a beaucoup d'humour en permanence, d'action avec des dinosaures, de l'aventure à la Indiana Jones, beaucoup d'action à la Rambo. Et des zombies et beaucoup de choses. Wow. Écoute, ouais. Tu nous as dit en début d'entrevue que quand tu étais jeune, ton père avait des collections de VHS d'action, d'horreur, etc. Donc, ouais. Peut-être que tu n'avais pas à aller souvent dans des clubs vidéo étant jeune, mais disons que quand tu allais dans des clubs vidéo, dans quelle section du club vidéo que tu te dirigeais et c'est quoi que tu louais en tant que tel? C'est dur à dire, c'était pas tant développé que ça en France, je pense. Je vivais à la campagne, alors. Mais quand j'y allais, je me dirigeais vers la section Stallone-Schwarzenegger. Waouh! En général, après, j'adore beaucoup la science-fiction aussi. Avais-tu une section jeux vidéo dans ton club vidéo là-bas? J'ai pas souvenir, non. Hmm.
J'avais une petite boutique de jeux vidéo, mais pas plus. Ben, c'est bien quand même. Si jamais tu viens au Super Club Vidéo Gore, ben jamais. Premièrement, on te dit officiellement que tu vas avoir ta carte de membre. Donc, tu vas pouvoir passer quand tu veux. Aucun frais de retard pour toi. Et on a une section jeux vidéo en plus. Donc, si jamais tu as envie de jouer à Russian Attack, qui est un jeu de NES excellent, qui est disponible pour la location, on va le mettre de côté pour toi. Écoute, merci beaucoup, Benjamin. C'était très, très cool de t'avoir. J'ai vraiment, vraiment hâte de voir le deuxième. Puis j'espère le voir à Fantasia cet été, ou sinon dans un autre festival. Il y en a tellement de bons festivals. Puis même les festivals d'horreur, vu que tu mets de l'horreur dans tes films, je suis sûr qu'ils vont être prêts à pouvoir... Il y a une grosse partie d'horreur, oui, c'est sûr. Ah, écoute. T'es avec le bon public présentement, Benjamin, certainement. Le Super Club Vidéo Gore t'accueille bras ouverts, même si je ne suis pas capable de dire le nom de mon propre club vidéo. Au retour de la pause, je continue les Children of the Corn. Et Stéphane, tu as regardé Thanksgiving de Eli Roth. J'ai hâte d'avoir ton opinion là-dessus. Le Super Club Vidéo Gore est fier d'être commandité par la brasserie Anorak Brewpub. Située au cœur de Morin Heights, la brasserie Anorak Brewpub vous offre une grande sélection de délicieuses bières élaborées sur place, ainsi qu'un menu varié succulent de style barbecue américain. Anorak Brewpub, c'est une équipe de gens passionnés qui vous reçoit avec le sourire, qui vous offre un service hors pair et des plats tout simplement délicieux. Réservez dès maintenant au brasserieanorak.ca. Steve, tous tes films en série, des fois, là, je me demande à quoi tu penses. Puis là, je me demande encore plus à quoi tu penses, parce que tu vas nous parler de quoi, là? Ben, en fait, tu vois, j'ai commencé par des longues séries, Howling, Hellraiser, je me suis tanné, j'ai fait Mimic. Ensuite, tu m'as demandé de faire Les Anneaux, What You Did Last Summer. Et j'avais l'intention de faire encore une autre petite série, mais je sais pas pourquoi, Les Dieux du Maïs m'appelaient. Fallait que j'écoute Les Children of the Corn. Les 10 films! Pas le choix. Silence sur le plateau. À 3, 2, 1, et action! Alors, mon Stéphane, Children of the Corn de 1984, ça, c'est un boîtier vraiment superbe que je me suis acheté en Espagne quand je vais à Barcelone, des trois premiers films. Et très content parce que c'est un série B, mais pas B, là, mais c'est un PAL. Puis là, j'ai un nouveau lecteur, j'ai pu les regarder à partir de là. Children of the Corn 84, basé sur une histoire, une petite histoire, là, je pense, 50 pages de Stephen King. Qui, selon moi, il y a une raison pourquoi c'était 50 pages, parce que tu peux pas faire un film très long à part trouver des longueurs et avoir du monde qui marche interminablement dans le film. Children of the Corn. C'est pas si hot que ça. Mais pourquoi ça a engendré autant de séries, excuse-moi, autant de suites plutôt? C'est-tu juste pour te faire souffrir? C'est peut-être que c'est ça. Ça a été réalisé. C'est les dieux du maïs. Ça a été réalisé par Fritz Kirsch. À tes souhaits. Merci beaucoup. Il n'a pas réalisé grand chose sauf Turf qui met en vedette James Spader. Je sais quoi. J'ai aucune idée c'est quoi Turf. Je pense même pas que James Spader il sait c'est quoi Turf puis il a joué dedans. Effectivement. Sauf que là, met en vedette Linda Hamilton. Dans le premier Children of the Corn. Oui, avant Terminator. Très jolie la petite Linda Hamilton. C'est pas la badass comme dans Terminator 2. En fait, et dans le film, à un moment donné, elle est très jolie et elle danse. 1, 2, 3, 4. No more books and studies. Oh! Mais tu sais, genre, elle danse. Là. Play with my bodies. Aussi bien que ça? Je dirais que je danse mieux que ça danse. Je pense qu'il y a un comptoir. Donc, c'est l'histoire d'enfants qui sont genre possédés par un champ de maïs. Ou un monstre, c'est pas super clair. La scène d'ouverture est vraiment fucking hot, par exemple. Des enfants qui rentrent dans un restaurant et qui décident de tuer tous les vieillards là et c'est gore à l'os. Tu sais, il y a plein d'affaires dans les restaurants. Que tu peux, les couteaux, des outils, là, les outils c'est assez hot. Ensuite, après ça, t'as Linda Hamilton, son copain en char, qui ramasse un enfant, mon homme. Là. Oh! Frank, look out!
Et là, ils se sentent mal, ils sont dans plein milieu d'un champ de maïs, fait qu'ils veulent aller voir la police. Fait que là, ils arrivent dans un petit village qui est comme abandonné, qui a juste des kids qui essaient de les tuer, puis là, ils commencent à marcher. Puis là, ça marche. Puis là, ça marche. C'est long. Ça marche. Puis il se passe pas grand-chose. C'est aussi le festival du zoom, ce film. Zoom? Du zoom. À toutes les scènes, il y a un zoom sur une face. Zoom sur une face. Zoom, ça veut dire. Écoute, t'es. Il y a du zoom, zoom. Et là, t'es pas trop sûr parce que là, en tout cas, il y a toute l'histoire, là, je vais pas trop y aller en détail parce qu'il y a pas grand chose à dire. Et là, tu te rends compte que dans le champ, ben, il y a des maïs, mais il y a comme un genre de monstre Tremors en dessous de la terre. Hey, j'ai aucun souvenir. Et là, t'es comme, mais c'est quoi ce monstre-là? Et ils disent pas vraiment. OK. Mais c'est comme, c'est-tu un champ de maïs, c'est-tu un champ de monstre, c'est-tu le monstre qui domine les kids, c'est-tu le maïs, c'est pourquoi, c'est qui, aucune idée. Est-ce que le maïs, c'est le poil sur le dos de la bête? Moi, j'ai essayé de donner la signification au film, je donne du crédit à M. Zengwen, comment il s'appelle? À tes souhaits. Mais écoute, tu comprends pas, tu sais pas le pourquoi. Comme moi en ce moment. C'est ça, là, tu te rends compte que les enfants, ils décident de tuer les adultes, c'est pas super clair. On va le savoir dans les prochains films, le pourquoi de la chose, mais encore, ça va rester pas super clair. Et ça se termine sur le pire effet spécial, spéciaux, whatever, ever. C'est atrocement dégueulasse, ça a tellement mal vieilli, mais tu sais, 84, qu'est-ce que tu veux faire? Le pire special effect ever, attention quand tu dis ça avec les films que tu me recommandes, Steve. C'est à peu près ça. Fait que Children of the Corn, ça commence... pas très bien. Non. Toi, mon Steph? Ben moi, tu m'as demandé de regarder un film relativement récent. Moi, j'ai comme 40 ans d'avance sur toi. C'est un film d'Eli Roth qui s'appelle Thanksgiving. Hey, toi! Hey, toi! Regarde-moi ça! Je suis un fan à la base de Eli Roth. Ouais, c'est pas mon réalisateur préféré de loin. J'aime beaucoup son rôle de The Bear dans Inglourious Basterds. Je l'aime beaucoup comme acteur. Comme réalisateur, c'est hit or miss. J'ai adoré Hostel. Green Inferno, j'ai trouvé ça correct. Je l'ai dit tantôt là, dans les films de 2013. T'as adoré Hostel pour quelle raison? Non, ça n'a rien à voir avec la gente féminine dans le film. Du tout. Je suis vraiment intéressé par visiter la Slovaquie. C'était-tu crédible, ça? Peut-être. OK. Puis, en 2023, Eli Roth a réalisé un film qui s'appelle Thanksgiving, action de grâce pour nos amis québécois. Ah! N'est-ce pas? Il n'y a pas beaucoup de films qui existent autour de la fête du Thanksgiving. Pourtant, c'est une des fêtes les plus célébrées aux États-Unis. Il y a Thanksgiving, un film de trauma des années 80 qui est infect, ma foi. Et il y a Thanksgiving maintenant d'Eli Roth qui, selon plusieurs personnes, va devenir un rendez-vous annuel du slasher de l'Action de grâce. C'est une l'histoire rapidement. Il y a une émeute dans un magasin à l'Action de grâce. En fait, c'est similaire à Black Friday. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Bruce Campbell, ça m'a fait beaucoup penser à ça. Il y a une émeute, les gens se ruent à la porte pour aller chercher une machine à crêpes. Puis, parce qu'elle est gratuite aux premiers 100 clients, je crois. Et là, évidemment, il y a un commentaire social sur la surconsommation américaine. Puis là, les gens sont assoiffés. Ils vont tuer s'il faut pour avoir leur machine gratuite. Et c'est ça qui arrive. Et parmi les clients, il y a également une bande d'adolescents qui alimentent la foule puis qui rendent les gens de plus en plus agressifs. Donc, ça commence vraiment sur une gosse, comme on dit. La porte ouvre, tout le monde part et il y a plusieurs gens qui crèvent. Et c'est très drôle, c'est très gore, mais c'est clairement un film qui se prend pas au sérieux. Un an plus tard, c'est la célébration, c'est le triste anniversaire, on va dire, de cette émeute-là. Et il y a un tueur qui vient venger les victimes de cette émeute-là un an plus tard. Et là, on a le tueur du Thanksgiving avec son masque et son chapeau qu'on voit sur la pochette, ici présente. Le tueur surgit, on ne comprend pas sa motivation jusqu'à maintenant. Ça se passe à Plymouth, au Massachusetts. C'est là que la fête du Thanksgiving est née.
Donc, c'est là que c'est arrivé. Donc, c'est le origin story de Thanksgiving, mais avec un tueur qui vient comme venger les morts de l'année précédente. On pourrait faire un slasher à Victoriaville, nous autres ici, où est-ce que la poutine a été inventée, serait cœur. Ben, on serait les premiers comme Eli Roth. Hein? C'est un film d'1h45. Okay? En partant, ça, c'est un péché capital pour moi. C'est 25 minutes de trop. Il y a énormément de personnages. Okay? Ça me fait beaucoup penser, toi, tu vas être content, Steve, à un slasher meurtrier mystère des années 90. Un peu comme Scream, un peu comme I Know What You Did Last Summer, dans la mesure où on ne sait pas c'est qui le tueur, mais il y a plusieurs personnages douteux sur lesquels on peut mettre le blâme. Par contre, il n'y a aucun de ces personnages-là qui est attachant. Littéralement, aucun. Puis ça, c'est un problème, parce que tu dois te ranger du côté d'un personnage ou d'un autre, puis Eli Roth ne réussit pas à faire ça, à mon avis, avec Thanksgiving. Tout ce qui est des scènes de gore, c'est over the top et c'est en practical pour la plupart. Il y a énormément de scènes qui sont malaisantes, qui sont tough à regarder pour certaines personnes. À cause du gore. Dans le bon sens, ouais. Puis, mais tout ce qui n'est pas un kill dans le film est mauvais, malheureusement. Oh. Puis quand tu as 1h45, tu as un 25 à 30 minutes d'exposition de trop sur des personnages détestables, il y a beaucoup de queue de poisson dans ce film-là. Tu suis la vie puis les péripéties, disons, de certains adolescents non attachants, comme je disais tantôt, puis au final, ça amène à rien. Je trouve que c'est drôlement réalisé, ce film-là. Mais mettons que tu regardes un Friday the 13th, est-ce que tout ce qui n'est pas des kills est intéressant? Non, mais c'est des films de 80-90 minutes max, puis ah, tu sais exactement dans quoi tu t'embarques. Tandis que Thanksgiving... Le sweet spot, excuse-moi. Non, c'est en plein ça, Steve. Excuse-toi pas, t'as bien raison. Dans Thanksgiving, t'as toujours raison, Steve, tout le temps. C'est pour ça qu'il y a la job ici. Moi, je suis le sous-merde. Lui, c'est le commis numéro un. Le problème avec Thanksgiving, en fait, c'est que l'exposition est trop longue. Il y a beaucoup de choses qui font pas de sens en termes de l'emplacement géographique du tueur. Et puis, le big reveal à la fin n'a pas fonctionné du tout pour moi. Ça a tombé à plat. On dirait qu'ils ont improvisé sur le plateau. Mais c'est rendu, il y a tellement de films de ce genre-là que, tu sais, tu regardes un Scream, la fin, tout le monde va tout le temps être déçu. Fait que ça tombe tout le temps. Mais c'est parce que ça crée des attentes un peu à quelque chose d'extraordinaire, surtout quand le film s'étire en longueur comme ça. Il y a une scène, entre autres, d'un souper sanglant, on va appeler ça le festin de la mort, où est-ce que le tueur du Thanksgiving a récupéré les cadavres de tout le monde et il les sert à manger aux victimes restantes. Ça a vraiment bien fonctionné pour moi parce que c'était très gore. Spoiler alert, comme on le dit tout le temps au Super Club Vidéo Gore, il y a une des personnages, la belle-mère, se fait cuire dans un four, Steve. J'ai pas vu le film. Non, c'est correct. Je pense pas que ça vaut tant la peine, je vais te dire. Ah? C'est bien correct, ça. Mais vous m'entendez à la maison, cher client. Il y a une scène où est-ce que la belle-mère se fait cuire comme une dinde. Elle se fait même mettre les genres de petits chapeaux là, sur le bout des pattes, mais elle est cuite, puis c'est dégueulasse. Puis le tueur du Thanksgiving prend un couteau, coupe un morceau de sa cuisse et va nourrir son mari qui est baïonné à une chaise. Fait que c'est vraiment nice pour ça. Il y a vraiment des scènes très gore. Un coup de mayoche, tu sais, pour attendrir la viande sur le crâne d'un des ados, puis ça éclate. Mais tout ça pour dire, au final, combien de yeux que je donne? Combien d'yeux? Écoute, je vais lui donner 2,5 yeux sur 5. C'est quand même, fait que c'est acceptable. C'est un film passable, sans plus. Mais un film qui est plus que passable, par contre, Steve, c'est le film que Guillaume va nous parler dans la chronique Espace-temps, et j'ai nommé Akira. Chers clients du Super Club Vidéo Gore, si vous êtes passionné par l'horreur comme vos deux commis préférés, la chaîne YouTube Horreur FM est faite pour vous. Rejoignez l'animateur Daniel Leblanc pour ses critiques approfondies de films d'horreur de tout genre. Il parlera des films d'horreur les plus obscurs sans négliger les plus récentes sorties de notre genre cinématographique préféré. Vous aimez les top 10, les thématiques saisonnières, les critiques des pires navets de l'horreur et même les analyses des sacs de chips ou des ramen trop piquants? Abonnez-vous à Horreur FM dès maintenant. À prochain, les tripeurs! Écoute, moi, mea culpa, je n'ai jamais vu Akira. Je suis pas un gros fan d'anime. Fait que je l'ai pas vu, mais il paraît que c'est super intéressant.
En fait, c'est. Oui, ben c'est beaucoup plus gore que je m'attendais. Moi, quand j'ai vu un dessin animé quand j'étais ado, début ado, je m'attendais pas du tout à ce que Guillaume va nous parler. Des fois, il y a des films qui réussissent à cramer tellement d'affaires en 120 minutes que ça fait un peu exploser la tête. Puis réussir à faire ça sans avoir l'air de forcer, en même temps que de révolutionner les techniques d'animation et de nous donner des images iconiques qui vont marquer toute une sous-culture pour les prochains 35 ans, on appelle ça un overkill. Adaptation que Katsuhiro Otomo a fait de son propre manga du même titre, Akira est sorti en 1988 et raconte l'histoire d'un Japon qui tente de se remettre d'une grosse explosion. Non, pas celle-là. Celle-là. Dans laquelle Kaneda est le leader anarchique d'une bande de motards qui vont se retrouver impliqués malgré eux dans une guerre entre un gouvernement totalitaire et une révolution sur le point d'exploser. À travers ça, c'est aussi l'histoire de Tetsuo, l'ami d'enfance de Kaneda, qui développe des pouvoirs télékinésiques, entre autres, au travers d'une rencontre fortuite avec des vieux qui ont l'air des enfants ou des enfants qui ont l'air des vieux, c'est comme pas clair au début, et qui va passer le reste du film à dealer avec ses pouvoirs grandissants et avec son complexe d'infériorité, et qui finit par libérer un ticu appelé Akira. Ah, c'est de là que le titre vient. Qui avait été congelé en morceaux à presque zéro absolu dans un immense frigo à bière dans les sous-sols de la ville après avoir fait une crise un peu intense. Si vous pensez que ça en fait beaucoup à digérer, dites-vous que le film raconte à peu près juste le tiers d'une épopée qui fait plus de 2000 pages de sci-fi dystopique cyberpunk et qui couvre encore plus de personnages, de trames narratives et de thèmes que le film. Anyway, le film Akira aura été un landmark monumental dans l'histoire du cinéma d'animation, mais aussi le cinéma de science-fiction en incorporant une solide pelletée de thèmes typiques à la sci-fi. Les sociétés dystopiques en processus de révolution, les secrets gouvernementaux, les méfaits de la drogue chez les jeunes, les gangs de rue, les motos cool, les tendances fâcheuses des scientifiques à faire joujou avec des rues qui font boum boum, la crise identitaire d'une société qui essaye de se remettre physiquement, moralement et économiquement d'un événement désastreux, qu'est-ce qui arrive quand les gens se retrouvent avec des superpowers, la transcendance vers l'état de surhumain, et malgré tout ça, Akira, c'est l'histoire de deux amis qui tentent de survivre dans un monde qui essaie de les écraser et qui découvrent dans le processus qui ils sont et qu'est-ce que ça implique de soudainement être mis dans une position d'influencer le cours des choses, en bien ou en mal. En gros, c'est un film sur le passage au monde adulte et la prise de responsabilité. Le film est en grande partie responsable d'avoir mis les animés japonais sur la carte à l'extérieur du pays du soleil levant et d'avoir prouvé une bonne fois pour toutes que les dessins animés, ben c'est pas juste un divertissement pour enfants. Avec une esthétique ultra détaillée mais gore à souhait, des mutations cronenbergiennes, des scènes hardcore qui tiennent encore la route aujourd'hui et une trame sonore polyrythmique borderline expérimentale fusionnant des genres et des instruments qui franchement auraient jamais dû être mis dans la même pièce, le film calisse une volée à toute une génération de cinéphiles qui avaient jamais rien vu pour être préparés à ça et met la barre vraiment, vraiment haute pour tout le reste du monde qui sont venus après. Bon ben là-dessus, moi je vous laisse, j'ai des pilules à aller prendre. Donc, Guillaume a quand même tout un talent pour nous vendre un film qu'on n'a jamais vu. Moi non plus, je suis comme toi Steve, je suis pas un gros fan d'animé. Mes enfants adorent les animés, ils ont jamais vu Akira, mais ils m'ont dit qu'ils connaissent le nom parce que c'est une inspiration pour les animés modernes. J'ai de la misère, j'ai écouté Blood, c'est un truc de vampire, mais ça durait, je pense, comme juste 45, un genre de moyen métrage. Peut-être que je me trompe. Je l'avais trouvé correct, mais tu vois, même là sur Netflix, il y a les Castlevania. J'essaie, je suis pas capable. J'ai écouté Lee-Man, par exemple, avec Antoine. Masters of the Universe. Ouais, Masters of the Universe. J'ai trouvé ça correct. Antoine a beaucoup aimé, puis là, je pense qu'il y a une nouvelle saison, série qui vient de sortir. En tout cas, on va finir par les continuer à les regarder. Mais je sais pas, écoute, le review d'Akira de Guillaume est très cool, comme d'habitude. Du feu, non. Mais c'est ça, je... Donnerais-tu une chance quand même? Peut-être. Mais tu sais, j'ai tellement de choses à regarder. Écoute, tu sais, j'ai pas un, pas deux, 10! Children of the Corn à regarder. Pauvre enfant. Pauvre adulte, c'est les enfants qui tuent là-dedans. C'est vrai. Pauvre adulte qui se font tuer par les enfants. Quand tu m'as eu? Ben ouais. C'était vif, ça. Hein? C'est qui le commis numéro 1, t'as dit tantôt? Steve. C'est moi. Le Super Club Vidéo Gore est équipé de la meilleure technologie au monde. Écoutez, on a un fax. On a Internet 56K. On va bientôt avoir l'afficheur sur les téléphones et on a une boîte vocale. À quoi est-ce que vous pensez que ça me fait penser, moi? Au répondeur. Les messages là-dedans, là, ils doivent être en train de pourrir. Allez donc au répondeur, pesez sur le
petit piton orange et tout va se faire tout seul. Le petit piton orange. Attends, pèse pas tout de suite. Pourquoi? Ben, je suis nerveux, là. J'ai comme peur de voir qu'est-ce qu'il y a là-dessus. Ouais, ça a l'air vous louer des cassettes de Nintendo. Ça fait bien mon affaire parce que ça fait longtemps que j'ai envie de jouer à Duck Hunt. Si vous avez le Pow Pow avec, là, orange, là, ben, je le prendrais ça aussi. Duck Hunt? On loue pas de vagin de canard ici, mais ça? Duck Hunt. Duck Hunt, ouais. Duck Hunt, avec le, il est pas orange, mais... Essayez les dons, ouais. Hey, attention avec ça. Ouais, mais il est pas blogué. Hey, ouais. Bon, Stéphane, hein, à toutes les semaines, on reçoit nos retours, comme ouais. D'habitude. J'espère que tu t'es mis du Deep Cold dans le bas de ton dos, parce que... Oh! Y'a donc! Hein? Qu'est-ce qu'on a comme retour? Ah, ben... Ah, mais là, il n'est pas déballé. Ça veut dire que la personne ne l'a pas regardé. Ben oui, c'est bien. Ou il l'a acheté, puis il nous l'a ramené ici, juste pour qu'on puisse en avoir une autre copie dans nos tablettes. Parce que comme vous voyez ici, il est parti. Il est loué. Hein? Il est loué. Sur la route de l'horreur, 12 épisodes complètes, 6 heures de bonheur. Allez acheter ça sur la route de l'horreur.com et les jeudis. Je me mélange tous les jeudis. On a des lives le dimanche avec le Super Club Vidéo Gore. C'est pour ça, mais les jeudis. T'as trop d'enfants. Une nouveauté tout le temps. Fait que, let's go. Autre chose. En passant, je suis un gros fan. J'ai binge ça avec ma femme. On a regardé ça 6 ou 7 épisodes d'un coup, puis on a fini les autres par la suite. Ah. Troll. 1 et 2. They're eating her. And then they're gonna eat me. J'ai voulu faire un. Je me juste. Oh my god! Mais ça, c'est le 2, c'est le premier. C'est le 2. Le 1, est-tu bon? Ben, j'ai un souvenir de... J'ai pas de souvenir, en fait, d'avoir vu le premier. Je sais pas si j'ai vu ça, mais... Faudrait. Et... Mais le 2, en tout cas, sûr, il faut voir la scène que je viens de très mal imiter. En plus, pendant qu'il fait ce cri-là, il y a une mouche dans le front tout le long. Ça s'invente pas. Oh my God! All right, mon Steve, puis le dernier retour cette semaine... Maniac, un film que j'ai vraiment été étonné, surtout la scène du scalp, justement. Et là, c'est écrit en français, je vous avais dit de ne pas sortir ce soir. Es-tu un fan de Maniac? J'ai juste les images du remake, ou reboot, whatever, avec Elijah Wood, okay. Que j'ai vraiment pas aimé. Je vais me faire lancer des roches. C'est-tu populaire, ce film-là? Oui, le monde a beaucoup aimé, et celui-là... Je me pose la question si je l'ai déjà vu. À nos clients de nous dire si ça vaut la peine de l'ajouter dans le calepin ou pas. Oh, Caroline Muro. Quand même. Ah, je savais pas. Une première semaine de retour quand même intéressante. On avait très hâte, Steve. Là. Oui, on avait hâte. On s'est ennuyé parce que là, depuis le mois de décembre, c'est comme notre cadeau en retard, revenir ici. Ben oui, ben deux cadeaux, parce qu'il m'a fait le cadeau de Scream Queen avec Mark Patton, l'histoire du protagoniste de Nightmare on Elm Street 2. Mm-hmm. Puis moi, je t'ai fait cadeau de Knight Rider, K2000, la première saison au complet. Qu'on n'a toujours pas regardé un épisode ensemble. Question de temps. Ouais, il faudrait faire ça. La semaine prochaine, en fait, ça va être un épisode live. Maintenant, on va avoir les sorties aux 2 semaines pour les épisodes du Super Club Vidéo Gore. Donc, vous allez avoir 2 mois de pur bonheur. Les dimanches, on continue les lives 1 semaine sur 2. Et les vendredis, 1 semaine sur 2, c'est les épisodes, c'est nos corps de travail. Donc, restez à l'écoute. N'oubliez pas de vous abonner sur nos réseaux sociaux. Facebook, YouTube, Instagram. On est sur TikTok et on est sur Twitch également. Oui, tu games à peu près à tous les mardis. Ben, je ne veux pas te lancer en dessous du bûcher tous les mardis soirs, mais quand même souvent. J'ai beaucoup de plaisir à faire ça. Pour moi, c'est thérapeutique de gamer avec vous en live. Donc, venez jaser avec le commis Steph à tous les mardis soirs. Et on se revoit dans 2 semaines. À bientôt.